apprécié également en Ligue 2. Eh bien, il évoquera eh bien, son histoire avec le National. Oh, la belle ouverture, c'était bien fait. Oh, le geste, il est parfait. Le geste, il est parfait. L'ouverture du score pour l'AS Béziers. Oh, le petit. Exactement, Kevin Testu qui ouvre la marque en tout cas et qui pique déjà eh bien, Créteil à moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes de jeu. Pour expliquer ce genre de choses. Je sais qu'ils peuvent sortir où ils veulent, mais re-rentrer, je sais pas. Oh, attention, il avait réussi à passer sa tête. Il était passé par là, oui. Ludovic Pancrate pour l'égalisation. Un but partout entre Créteil et l'AS Béziers. Et le but, encore une fois, il est bien amené, ça a joué, ça a donné côté, c'est le centre, il est parfait sur la tête de Ludovic Pancrate. Voilà, l'ouverture a été parfaite et Yamadou Fofana part de loin au moment d'aller faire ce retour défensif. Attention, Abadad. Oh, le but. La voilà, le 2-1 pour l'inévitable franco-algérien Jérôme bien évidemment. Et bien, Mortad, on en est désormais à 2-1. Abdelmalek Mortad, et bien qui marque son deuxième but cette saison. Il avait marqué son premier la semaine dernière contre QRM. Il est ensuite retourné en Algérie, au MC Alger, un passage par les Émirats à l'Altiad. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine en tout cas ce premier acte entre Créteil et Béziers. Avant, alors maintenant forcément tout le monde s'y attend, donc tout le monde est aux abords. Les attaquants sont aux abords de la surface et la moindre passe dans la surface, elle est... Oh, attention, ce bon ballon là, deux balles, oui, qui va décaler à Abbas, il ouvre son pied. Voilà, voilà, le but du 3-1 pour l'USCL, Abbas, et bien tout simplement, qui est inscrit. Eh bien, excusez-moi, je vais retrouver le petit numéro, Riyad Abbas, eh bien, qui inscrit son premier but en National 1 ce soir. Il va s'en souvenir de cette soirée. Ça veut bien. Eh oui, ça conserve bien, c'est bien donné par Abbas pour Fofana qui est monté aux avant-postes. Sonner la révolte avec cette frappe de balle. Oh, l'arrêt de Vion, mais il va sur le second ball, Pardal. Oh, le petit extérieur, c'est magnifique. La tête de Takalfred, ça va revenir directement sur Abbas qui va être pressé dans son dos. Il a pu se retourner. Et quel envol! Quel envol de Vincent Vion qui réalise vraiment. Pas passé loin, il n'était pas passé loin. Yannis Amour là qui va frapper. Attention, ce ballon qui reste dans la surface de réparation et toute la rage! Toute la rage de Kevin Testu pour venir frapper ce ballon.